Vous avez bien envoyé les devis? Mais oui, faites-moi confiance, Madame Waldorf. Très bien. Alors, bonne soirée. Oui, à vous aussi. Au revoir, Monsieur Waldorf. Au revoir. Bonne soirée, Nicole. Nicole? Nicole, tu rentres avec moi? Dis-moi, ils sont toujours ensemble, ces deux-là? Allez, viens. Laisse-moi. Oui, enfin, plus ou moins. Bon, avec quel client tu as rendez-vous ce soir? Tu ne connais pas. Nicole. Je dois t'avouer que j'ai été plutôt surpris. Ton envie de venir dîner avec moi ce soir. Vraiment? Eh bien, on a pas mal de choses en commun. Comme l'entreprise, par exemple? Oui, par exemple. Alors, il te plaît bien ton job? Mais je pense que ça se voit. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Nicole, nous nous connaissons trop bien. Je sais qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Nicole, tu sais que ça m'a fait plaisir et j'aimerais qu'on recommence. Mais la prochaine fois, sans aucune condition, d'accord? Bah les pattes. C'est pas pour rire, ça. C'est sérieux. N'en fais pas un peu trop, là. Bon, allez, descends maintenant. C'est moi qui décide maintenant. Tout ce qui compte, c'est d'y croire. Ça. Écoute, ça suffit. J'en ai marre de me sentir toujours espionnée. J'ignorais que tu couchais aussi avec le chef. Et même si c'est le cas, j'ai pas de compte à te rendre, tu sais. C'est terminé, Yann. Compris, ça s'arrête là. Nicole, mais qu'est-ce que je t'ai fait, enfin? Est-ce que vraiment tu aurais déjà tout oublié? Je n'ai pas dit ça. Seulement, ça ne change rien au fait que nous deux, c'est terminé, hein. Yann, je t'en prie, tu arrêtes. Madame Hauser, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Kemper, il n'y a rien de très grave. Mon ami a un peu trop bu et c'est tout. Vous pouvez rentrer tranquillement. Merci encore. Bon, et maintenant, va-t'en d'ici. Allô, Rolf? Je suis contente que tu appelles. Mais où tu étais toute la soirée? Tu le sais bien où j'étais. Alors? Quoi alors? Il t'a fait une proposition? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais je crois qu'il a compris que c'était vraiment sérieux. Ça, j'espère bien. Tu sais ce que j'aimerais? C'est que ce soir, tu passes me voir. Tu sais bien que je ne peux pas le faire. Mais pourquoi ça? Bon sang, Nicole, c'est vraiment assez difficile. Je passe ma vie à attendre. Plus pour longtemps. Ça, je te le promets. Mais parfois, j'ai du mal à le croire. Tu sais ce qui m'arrive de me dire? Que la seule chose qui te motive, toi, c'est le fric. C'est triste que tu ne me connaisses pas mieux que ça. Oui, c'est vrai. Seulement, tu ne fais pas de gros efforts pour changer ça. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. Thank you.
Je suis invité à un anniversaire ce soir. Qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui a déjà tout? Mais c'est un homme ou une femme? C'est un mec, la trentaine, grand, sportif. C'est un expert financier. Il a la peau blanche et il est relativement sans intérêt, si ce n'est dans son boulot peut-être. Bon, à part le champagne, je ne vois rien. Ah, merci, cher collègue. Je n'aurais jamais eu l'idée. C'est à ça que ça sert les collègues, non? Ayman? Oui. Et où ça? Salut, Toubib. Ah, Léo, comment ça va? Bonjour. Bon, deux balles tirées dans la poitrine, dont une carrément en plein cœur. Elle a dû mourir sur le coup. Une des balles est ressortie, quant à l'autre, elle est restée dans le corps. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a, disons, au minimum 10 heures. Et on doit également tenir compte du fait qu'avec le froid qu'il fait, la température du corps chute plus vite. Oui, alors on va dire 22 heures hier soir. Quelque chose d'approchant. Ce qu'il faut, c'est attendre l'autopsie. La victime s'appelle Nicole Hauser, 19 ans. Elle habite tout près d'ici, oui, c'est sur la Bonheur Platte. Dis-moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle est morte ici, dans le parc, ou bien est-ce que ça s'est passé ailleurs? C'est un peu tôt pour le dire, ça. Le médecin des urgences est encore là? Mon collègue se charge du jogger qui a découvert la victime. Est-ce que c'est trop tôt si je vais le voir? Tu peux déjà essayer, je crois. Eh bien, moi, j'ai fini. À plus tard. Axel, c'est toi qui vas aller interroger ce jogger. Ensuite, il faut que tu ailles voir dans toutes les maisons avoisinantes si quelqu'un aurait par hasard entendu des coups de feu. Ouais, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Et surtout, n'oublie pas d'annuler ton invitation. On risque d'en avoir pour un certain temps ici. Oui, c'est aussi ce que je crois. À plus tard. Une jolie jeune femme. Qui pouvait lui en vouloir au point de la tuer? Enfin, Gert, c'est pas un peu tôt pour mettre ça sur le compte de la haine? Oui, ça, c'est un peu vrai. Seulement, j'avoue qu'après tant d'années de service, ça me fait toujours bizarre quand il s'agit de personnes aussi jeunes. C'est la même chose pour moi. Bien, je crois que pour le moment, on n'a plus grand-chose à faire ici. Et où est-ce qu'on va? À Bonheur Platz? Très bien. À mon avis, elle devait vivre ici toute seule. On va essayer, là, dans ce cas. Bonjour, madame. Brigade criminelle, mon nom est Kress et voici mon collègue Ayman. Madame Kemper. Auriez-vous un instant à nous accorder? Oui, naturellement. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous connaissez bien votre jeune voisine, madame Hauser? Oui, mais comme des voisins se connaissent, je vais arroser ses plantes de temps en temps. Savez-vous si elle vit seule ici? Si je ne me trompe pas, oui. Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle habite ici? Je vais dire un an. Bon, et savez-vous où madame Hauser est employée? Mais chez Monsieur Waldorf, à côté d'Allard. Connaissez-vous des gens proches d'elle? Je ne sais pas, est-ce qu'elle a des parents? Oui, son père vient la voir, mais pas très souvent. Mais pourquoi me demandez-vous toutes ces choses? Je crois qu'on va bientôt vous donner la réponse. Quand avez-vous rencontré madame Hauser pour la dernière fois, chère madame? Hier soir, vers 21h. Elle avait sonné chez vous? Non, mais il y avait du bruit dehors et j'étais voir à la porte ce que c'était. Oui, vous avez regardé à travers l'œilleton. Mais c'est à ça que ça sert. Mais alors, qu'est-ce que vous avez vu? Madame Hauser en colère a pris un jeune homme. Et d'un seul coup, le jeune homme est tombé brutalement dans les escaliers. Vous voulez dire, comme ça, d'un coup? Madame Hauser disait qu'il avait trop bu et que c'était rien du tout. Moi, je ne l'ai pas vu tomber. Vous aviez quand même ouvert votre porte entre-temps. Pourriez-vous dire à quoi ce jeune homme ressemblait? Bah oui, absolument. Yann, qu'est-ce qui se passe avec Nicole aujourd'hui? Elle a toujours téléphoné en cas d'absence. Aucune idée, je suis étonné. Vous avez essayé de l'appeler? Oui, je tombe sur son répondeur. Je commence à me faire un peu de soucis. Madame Waldorf, il y a deux messieurs de la police ici. Des policiers? Vous êtes bien sur le répondeur de Nicole Hauser. Mais avant de raccrocher, laissez-moi votre nom et votre numéro. Je vous rappellerai dès que possible. Allô, mon ange, j'aimerais que tu me rappelles dès que tu auras pris connaissance de mon message. C'est bizarre, mais aujourd'hui, je me sens un peu inquiet. Alors, est-ce que tu peux me rappeler vite? Quand avez-vous vu madame Hauser pour la dernière fois? Hier soir, c'était avant de partir.
Et avez-vous remarqué chez elle quelque chose de bizarre? Je veux dire, vous a-t-elle paru d'humeur différente? Non, elle était comme d'habitude. Mon Dieu, je la connais depuis si longtemps. Ça me fait bizarre. Vous la connaissiez depuis combien de temps? Depuis qu'elle était petite. Nous étions très amis avec ses parents. Vous étiez? Oui, le père étant souvent à l'étranger, nous nous sommes un peu perdus de vue. Excusez-moi, je ne savais pas. Non, entrez. Tenez, vous m'aviez demandé de voir cette offre. Oui, merci. Excusez-moi, vous ne seriez pas le petit ami de Nicole Hauser, par hasard? J'ai été son petit ami, oui. Pourquoi j'ai été? Eh bien, je ne le suis plus. Votre nom, je vous prie. Ian Kogler. Monsieur Kogler, pouvez-vous venir avec moi une seconde? C'est vous qui aviez engagé cette jeune fille? Non, c'est mon mari. Ah, vous dirigez tous les deux cette société? Non, mon mari est le patron. Moi, je le remplace du mieux que je peux et seulement quand mon fils est à l'école. Et où se trouve votre mari? Il est passé chez des clients. La curiosité est un vilain défaut, Madame Kemper. Laissez-nous travailler tranquillement maintenant. Je venais arroser les plantes, et c'est tout. Oui, eh bien, ces plantes attendront un petit peu. Alors, tu as avancé un peu? Non, personne n'a entendu de coup de feu. Et personne n'a aperçu la victime ce soir-là, à part notre chère voisine qui a déjà été interrogée par nos collègues. Il y a de la frustration dans ta voix. Si j'étais frustré, est-ce que je serais policier? Bravo, j'adore quand tu es comme ça. Et toi, de ton côté? Pour l'instant, c'est de la simple routine. Ah, enfin, tu es là. Nicole. Mais Nicole dit quelque chose. Brigade criminelle, Reedman à l'appareil. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Le père de Nicole, monsieur. Et que fait la criminelle dans l'appartement de ma fille? Je n'ai pas à vous dire ça par téléphone, monsieur. Que s'est-il passé? J'ai le droit de savoir. Quelle a été ta première impression concernant ce jeune homme? Tu parles de Ian Kogler? Oui. Je l'ai senti sous pression. Il était très tendu, je trouve. Tu lui as dit quelque chose? Moi, non. Seulement, Madame Waldorf a sûrement lui raconté ce qui s'est passé, et tout de suite. Ça me semble évident. Oui, ici Grace. Reedman à l'appareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le père qui vient de téléphoner. Et? J'ai fini par lui dire, il a tellement insisté. Mais c'était dur comme ça au téléphone. Oui, tu nous as évité une corvée très éprouvante, parce que maintenant, on va aller le voir chez lui. Avez-vous déjà trouvé quelque chose qui serait intéressant? Rien qui puisse éclaircir cette affaire. Est-ce que Axel est avec toi? Oui, il est là. Tu vas lui dire de passer au siège de la société et de se renseigner sur la maison Waldorf de façon discrète. D'accord, je vais lui dire. Bon, et nous, on se voit vers 16h au bureau. Terminé. Je crois que j'ai été le père le plus lamentable qu'une fille puisse imaginer. Ça a toujours été le cas? Les premières années avec Nicole ont été merveilleuses. Mais hélas, ces 10 dernières années, j'étais à l'étranger la plupart du temps. Je n'ai pas arrêté de trimer. Et pour en arriver où? Ma femme est morte l'an dernier, et maintenant... Monsieur Hauser, nous pouvons revenir parler avec vous une autre fois. Non, ça va aller mieux. Et malgré la rareté de vos visites, est-ce que vous auriez, par hasard, perçu certains changements dans le comportement de votre fille ces derniers temps? L'an dernier, quand mon épouse est décédée, j'ai trouvé que Nicole était devenue très nerveuse, comme si quelque chose l'avait un peu... C'était dû à la mort de votre femme ou bien y avait-il d'autres raisons cachées? Peut-être une histoire de cœur? Ça, c'est dur à dire. Je ne lui ai connu qu'un seul petit ami, c'est Ian Kogler. Et vous avez eu le temps de vous faire une opinion à son sujet? On ne s'est bien sûr pas rencontrés bien souvent, mais Ian est très sérieux. Je ne l'ai jamais entendu rire. Mais pour ce qui est de son amour pour Nicole, eh bien, il était très sincère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui n'exclut pas qu'il pourrait y avoir une certaine jalousie de sa part? Non, ça c'est sûr que non. Si vous voyez Ian comme un suspect éventuel, ça, c'est totalement absurde. Monsieur Hauser, nous ne pouvons en cet instant négliger aucune piste. On ne peut pas faire autrement.
vous avez quelque chose. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, un rapport d'autopsie. Il se fait vraiment attendre. Eh bien, il faut peut-être leur donner jusqu'à demain matin. Nous ne sommes pas des monstres. Bon, et sur les lieux du crime? Les douilles ont été retrouvées. Ah. Bon, Nicole Hauser a été abattue dans l'allée du parc, ça c'est évident. Et traînée jusqu'à l'endroit où elle a été trouvée. Oui, Ayman? Avez-vous quelqu'un qui puisse nous l'amener? Très bien, merci. Yann Kogler arrive. Axel, qu'est-ce que ça a donné tes recherches sur l'entreprise Waldorf? Cette entreprise est bel et bien le reflet de tout ce qui se passe dans notre économie actuelle. Il n'y a plus de liquidité, plus de fonds de réserve, le niveau des commandes est quasiment nul, et en conclusion, c'est très loin d'être florissant. Je vois. Ça apporte quoi, ce genre d'informations? Mais t'es encore trop tôt pour le dire. Oui? Bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas encore présenté. Mon nom est Kress. Vous connaissez déjà M. Ayman. Je vous en prie, prenez place. Je vais enregistrer toute cette conversation, voyez-vous. Je suis sûr qu'entre-temps, vous avez su que Mme Hauser... Excusez-moi, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre ami. Enfin, nous allons suivre la procédure habituelle. Friedman. Nom et adresse? Yann Kogler. Mm-hmm. Merci, c'est très bien d'avoir prévenu. Oui, à demain. Pourquoi vous êtes-vous séparés? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que Mme Hauser sortait avec quelqu'un d'autre? Je crois qu'on peut dire ça, oui. Vous savez de qui il s'agit? Oui, il donne des cours de gym en salle. Et est-ce que vous connaissez ce garçon? Non. Quand avez-vous vu Mme Hauser la dernière fois et où ça? Vous devez déjà le savoir. Mais nous voudrions que vous le confirmiez. Devant l'appartement, dans son escalier. Quand? Hier soir, il était 21h. Mais qu'alliez-vous faire chez elle? C'est idiot, je sais bien. Je voulais lui demander des comptes. Au sujet de l'autre? Non, je... Je l'avais vu en compagnie de notre patron. Monsieur Waldorf? Oui, ils se sont retrouvés au resto. C'était la première fois ou quoi? Je crois bien que oui. Est-ce que c'est à la suite de ça qu'il y a eu cette dispute et que vous êtes tombé dans les escaliers? Oui, seulement. C'était ma faute, je l'avais un peu trop harcelé. En fait, vous étiez sûrement très jaloux. Non, ça n'avait rien à voir avec Monsieur Waldorf, ni avec Rolf. Rolf? Oui, c'est le prénom de l'autre. Écoutez, Monsieur Kogler, dites-nous donc pourquoi vous harceliez votre ex-petite amie. En fait, j'étais complètement désespéré. Quoi, de ne plus la voir, ou bien il y avait finalement une autre raison? Comme par exemple le fait que votre chère amie était enceinte. Ça aussi, vous le saviez déjà? Oui, vous le saviez, alors. Oui. Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit? Elle voulait m'éliminer de sa vie avec ça. Est-ce que vous savez qui est le père? Je peux l'imaginer. C'est ce Rolf? Et je peux savoir ce que vous avez fait juste après votre chute? Je suis monté dans ma voiture et puis à plusieurs reprises, j'ai regardé vers sa fenêtre. Oui, et ensuite? J'ai roulé sans savoir où j'allais. Juste comme ça? Oui. J'ai fini par rentrer chez moi. Au bout de combien de temps? Soyez précis, monsieur. C'était en gros entre 11h et minuit, je ne peux pas vous dire exactement. Et pourtant, il n'y a que 24 heures que ça s'est passé. Ah, monsieur Kogler, vous êtes encore loin d'être sorti d'affaires. Restez à notre disposition, s'il vous plaît. Un moment. Vous connaissez peut-être le nom de famille du dénommé Rolf? Non. Dites-moi où se trouve la salle de gymnastique dans ce cas. Encore autre chose. Est-ce que Mme Hauser avait aussi, comment dirions-nous, une très bonne amie dans sa vie? Oui, oui. Donnez-nous aussi son nom. Laura Lantz. Je me suis dit... Oui, entre.
t'ai dit qu'à deux, on pourrait mieux se soutenir. Pourquoi Nicole est morte? Pourquoi? Ce n'est pas votre faute. Je n'en suis pas si sûr que ça. Je n'ai jamais rien fait pour elle. Sa chambre existe toujours? Oui. Tu veux la voir? J'aimerais. J'ai tout laissé comme c'était avant. J'ai toujours pensé qu'elle pourrait revenir un jour. Mais elle a laissé ça ici? Oui. Là, je suis surpris. Il y a son journal intime là-dedans. Nicole tenait un journal, tu es sûr? Oui, tout à fait. Je peux. Tu ne vas tout de même pas lire ça? Si vous m'y autorisez. Si vous me dites non, je ne le ferai pas. Moi, je trouve ça très indiscret, même maintenant. Seulement peut-être que la lecture de ce journal nous dira pourquoi Nicole s'est fait tuer. Vous avez trouvé un portable dans le sac de la victime? Non. Et rien de plus positif pour son téléphone fixe? Les numéros des derniers appels entrants ont tous été effacés. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu le faire, l'assassin? Il y avait des empreintes? Celles de la victime. Et on n'a pas trouvé les clés de l'appartement sur elle. C'est bizarre. Werner, demain tu te procures un mandat de perquisition pour l'appartement de Jan Kogler. Bon, et pour nous deux, ce sera Monsieur Waldorf, le programme de départ. Axel, pour toi, l'objectif, c'est le prof de gym. Dis-moi, ça vaut encore le coup d'aller à ta fête d'anniversaire? Je ne crois pas. Et en plus, je n'ai même pas acheté de cadeau. Tu en es à combien de mots de passe, là? Je peux te tutoyer, au fait? Bien sûr. J'en ai fait plus de 30 déjà. Merci. Tu as l'intention d'essayer longtemps? Jusqu'à ce que vous me mettiez dehors. Pourquoi pas Marie? C'était le prénom de sa mère. Accès refusé. Ouais, c'est affreux cette histoire. Je suis encore complètement sous le choc. Monsieur Waldorf, vous êtes un des tout derniers que Nicole ait vu avant sa mort. Ah oui, c'est vrai ça? Oui. Mais à quelle heure est-elle morte en fait? Vous n'imaginez tout de même pas qu'on va répondre à votre question. Quand avez-vous vu Nicole pour la dernière fois, monsieur? Avant-hier soir, à l'entreprise, naturellement. Et vous ne l'avez pas revue après ça? Si, après je l'ai revue. Ça, c'est d'ailleurs assez étrange. C'est justement avant-hier soir que Nicole m'a demandé si on pouvait aller dîner tous les deux. C'est elle qui a demandé? Oui. Et vous avez dit oui tout de suite? Oui, j'étais plutôt curieux de savoir ce qu'elle voulait. Et c'était votre premier rendez-vous? Oui. Ah oui. Avez-vous dit à votre femme avec qui vous aviez rendez-vous? Commissaire, il faut vraiment que je vous réponde? Bien sûr que non, seulement ce serait très utile. C'est évident que je ne lui ai rien dit. Allez savoir ce qu'elle aurait pu imaginer. Pourquoi voulait-elle aller dîner avec vous? Ça, elle n'a pas tourné longtemps autour du pot. Elle voulait de l'argent. De l'argent? Un crédit à 0% d'intérêt. De quel montant ce crédit? 100 000 euros. C'est une jolie somme. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Et j'ai même ajouté que c'est une banque qu'il fallait aller voir, que c'est ce qu'aurait fait n'importe qui. Et est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle en avait besoin? Elle disait qu'elle était à la recherche d'une nouvelle existence. Si vous voulez mon avis, il y a sûrement un homme derrière tout ça qui a dû lui mettre ce genre d'idée en tête. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas un professeur de gymnastique? Là, vous en savez plus que moi. Comment Nicole est-elle morte? Je peux vous poser une question avant, peut-être? Quand avez-vous fait la connaissance de Nicole? Ça, c'était l'année dernière, ici. Ça a vraiment été le coup de foudre. Surtout de la part de Nicole. Vous voulez dire que cette relation était plutôt d'un sens unique?
C'est ça. Moi, j'ai une famille avec laquelle je me sens bien. Je n'avais pas besoin d'une aventure. Oui, mais ça s'est quand même fait, non? C'est qu'elle n'avait pas envie de me lâcher. Elle était folle de moi. Eh oui, et au bout d'un moment, on trouve que c'est flatteur et on cède. Oui, je vois. Elle vous a dit qu'elle était enceinte. C'est pas vrai, ça. Nicole était enceinte. Contentez-vous de répondre à ma question. Non, ça, elle ne me l'a pas dit, bien sûr que non. Vous en êtes aussi sûr? Oui. C'est vous le père? Mais je n'en sais rien du tout, moi, je ne sais pas. Avec qui, Nicole? J'ai besoin de toi ici. Je peux? D'accord. Quand avez-vous vu Nicole pour la dernière fois? Ça doit faire environ 3 jours. Et quand lui avez-vous parlé? Eh bien, ça fait aussi 3 jours. C'est sûr? Oui. Je vais vous poser encore une question. Où étiez-vous avant-hier soir, entre 21h et 23h? J'étais à la maison. Oui, ma femme peut vous confirmer ça. Monsieur Sattler, je vous demanderai de vous présenter cet après-midi à 15h au commissariat de police, s'il vous plaît. Mais pour y faire quoi? Pour faire un test génétique de paternité. Et bien entendu, aux frais de l'État. C'est super, non? Je ne trouve pas ça très drôle. Mais il ne faut pas rire, il suffit d'être ponctuel. Au revoir. Au revoir. Votre femme nous a raconté que vous et la famille Hauser, vous aviez eu des liens d'amitié. Oui, il y a longtemps de ça. Nous avions l'habitude de jouer aux cartes assez régulièrement. Et puis, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Et puis ensuite, Jürgen a trouvé un nouveau travail. Et là, tout ça a été terminé. Disons en fait que c'est au nom de cette ancienne amitié que vous avez engagé Nicole dans votre entreprise. Oui, c'est vrai. Je dois même dire qu'elle faisait très bien son travail. Non, revenons à ce crédit. Vous et Nicole, vous étiez encore suffisamment intimes pour qu'elle ait pu venir vous trouver de cette façon avec cette demande un peu étrange. Eh bien, elle ne m'appelait pas tonton, si c'est ce que vous voulez dire, mais on avait une bonne relation, c'était plutôt décontracté. Je vais vous poser une question. Que faisiez-vous avant-hier soir, cher monsieur, entre 21h et 23h? Eh bien, après avoir dîné avec Nicole, je devais voir Monsieur Corr, c'est lui mon bras droit dans mon entreprise. Où? Ici, dans mon bureau. Nous avons fait le point sur le planning de l'entreprise pour la semaine à venir. Ah oui, ensuite nous sommes allés boire un verre au Colibri. À peu près vers quelle heure? Eh bien, il devait être 22h. J'aimerais que vous précisiez les choses. C'est quand même déjà assez précis, monsieur le commissaire. Moi, ça me travaille, tout ça. Ça fait un moment que les familles avaient cessé de se voir. Et pourtant, Nicole va dire à son chef qu'elle veut un crédit à 0%. Il y a un truc qui cloche. Avec cette histoire de crédit, j'ai l'impression que Waldorf veut cacher une chose plus gênante. Pourquoi il nous a raconté ce feuilleton? Il avait aussi le choix d'aller inventer un tout autre motif pour justifier ce dîner en tête-à-tête. Il n'y a plus aucun témoin. Peut-être que d'un autre côté, c'est simplement la vérité. Oui, peut-être. Nous avons le mandat pour l'appartement de Kogler. On va y aller tout de suite. Quand on aura fini ici, non? Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport d'autopsie? Eh bien, il nous confirme que le décès a bien eu lieu à 22h et que la balle dans la colonne vertébrale a été tirée à coup sûr par un éclair écorre. Mais on est toujours en train de chercher un vrai mobile. Cette histoire de prétendue jalousie de Jan Kogler, c'est beaucoup trop simple, trop évident. Ça, il y a sûrement autre chose en jeu. Mais parfois les mobiles sont simples. Tout à fait simple. Tout de même, en ce qui concerne l'alibi de Waldorf, je vais un peu fouiller. Peut-être que je vais apprendre des choses sur son fameux bras droit, ce monsieur Corr. Au fait, j'ai convoqué Rolf Sattler, celui qui fait de la gymnastique. Il va passer un test génétique. Et dans très peu de temps, la meilleure amie de Nicole Hauser va arriver. Ah oui, c'est quoi déjà son nom? Laura Lantz. Ah oui. Madame Lantz. Ah, Madame Lantz. Bonjour. Mon nom est Cressy, voici mon collègue Riedman. Bonjour. Mais veuillez prendre place. Merci. Tu n'as plus besoin de moi? Non. Est-ce que Nicole vous a un jour fait part de ses projets? D'une grosse somme à emprunter? Non, jamais.
Est-ce que vous saviez qu'elle était enceinte? C'est vrai, ça? Mm-hmm. Non, elle ne m'avait jamais dit ça. Il faut dire aussi que je ne la voyais plus très souvent tous ces derniers temps. Est-ce que vous aviez perçu un changement de comportement chez elle à la suite de la mort de sa mère? En effet. Depuis qu'elle avait son propre appartement, elle ne se manifestait plus beaucoup. C'est moi qui devais l'appeler. Avez-vous une explication à ça? En tout cas, je ne crois pas que ça ait été une très bonne chose de quitter Yann. Et vous ne savez pas pourquoi elle l'a quitté, ce Yann? C'est évidemment à cause de l'autre. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Non. Et, par hasard, connaissez-vous des choses concernant la famille Waldorf? Nicole travaillait là-bas, c'est ça? Oui, et ça vous a étonné qu'elle obtienne une place comme celle-là? Non, elle avait d'ailleurs déjà travaillé pour eux. Ah oui? Comme babysitter. Et c'était quand? Ça doit faire environ 4-5 ans. Elle devait avoir 14 ou 15 ans? Disons 14 ans. Elle ne l'a pas fait très longtemps, en fait. Ah non? Un grave problème a mis fin à l'histoire. Elle a même dû manquer l'école durant 2 semaines et elle ne voulait pas qu'on aille la voir. C'est pas sûr que ça avait quelque chose à voir avec les Waldorf, cette histoire-là. Dans les mois qui ont suivi, vous a-t-elle reparlé un peu de ça? Non. Elle ne voulait rien dire. Eh bien, c'est bon, ce sera tout, merci. Tu ne vas pas avoir d'ennui à ton boulot si tu te fais porter malade? Non, merci. C'est plus important, ça. C'était son CD préféré. Enfin. C'est moi qui ai fait cette photo. Je ne peux pas voir ça. Tu m'appelles si tu as quelque chose d'intéressant. Il a les mains sales, le fameux bras droit de Monsieur Waldorf. 18 mois pour blessure corporelle. Même qu'il a dû les purger à cause de ses antécédents. Depuis quand est-il chez Waldorf? Depuis qu'il est sorti, ça fait... ça fait 5 ans. Mais pourquoi on engage des gens comme ça dans cette entreprise? Peut-être qu'il fait le sale boulot. Bon, je vais voir ça de plus près. Non, ça va pas. Madame Waldorf arrive, je l'avais convoquée. Oui, c'est Kress? Oui, c'est Riedman. Yann Kogler est en arrêt maladie, mais il n'est pas chez lui. Est-ce qu'on rentre quand même? Bah, essayez de voir ça avec le concierge. Demande-lui de vous ouvrir. Très bien, j'y vais. Monsieur Hauser? C'était quand, ça? Ça fait 5 ans. Le ciel est devenu tout noir, la terre était rouge. Comme le sang. Est-ce que Nicolas Hauser avait fait savoir qu'elle voulait faire autre chose professionnellement? Voulait-elle un peu évoluer? Et nous présenter sa démission? Non, elle n'a jamais dit ça. Ah. Au contraire, elle avait l'air d'apprécier ce qu'elle faisait. Vous êtes sûr de ça? Oui. Mais dites, cet emploi de babysitter que vous lui aviez offert, ça lui avait beaucoup plu? Ah, vous ne vous en souvenez plus, on dirait. Si, naturellement, mais je ne vois pas très bien ce que ça vient faire dans ce contexte. Ce qui compte, c'est que nous le sachions. Alors? Je crois que ça lui plaisait bien. Mon fils Till et Nicole s'entendaient à merveille. Mais pendant combien de temps a-t-elle fait ça? Pas tellement longtemps, pour autant que je me souvienne. Est-ce qu'il y avait une raison? Oui, elle n'était pas très consciencieuse à l'époque. Et un beau jour, elle n'est plus venue sans me donner aucune raison. Et peut-être avez-vous ensuite appris ce qui s'était passé? Mon Dieu, une jeune fille en pleine puberté, vous savez, on ne se pose pas trop de questions. Est-ce que vous vous rappelez que Nicole a ensuite été malade pendant quelques semaines? Ah non, ça je ne saurais vous le dire, même si je fais un effort. Eh bien, ce sera tout, Madame Waldorf. Merci d'être venue. Au revoir. Au revoir, monsieur. Savez-vous pourquoi M. Kogler n'est pas venu travailler aujourd'hui? Ah non, ça, je ne le sais pas, mais peut-être que mon mari... Ce n'est pas important. Je vous raccompagne.
Chef, il était sous le matelas. C'est un éclair, Igor. Et il manque de balles. Oui, c'est moi. Vous avez la mort de Nicole sur la conscience. Ogler, qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais malade. Oh, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez tué, je le sais. Doucement, arrête tes bêtises. Et va les raconter à la police si elle veut bien les entendre. Laisse-moi en paix, tu veux. Et maintenant, sors de ma propriété. Il y a un mobile, je le sais, mais c'est vous. Allez, décampe. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est ce jeune cinglé. Il vient de m'agresser. Yann? Pourquoi il a fait ça? Demande-lui toi-même. J'appelle la police si tu veux. Non, c'est inutile. Il a eu sa dose. Et demain, tu viendras chercher tes papiers, imbécile! Comme je le disais, il manque de balles. Et la clé est celle de l'appartement de Nicole Hauser. Eh bien, l'affaire semble réglée. J'ai quand même certains doutes. Ce Yann Kogler est un type intelligent. Ce serait quand même débile de laisser de telles pièces à conviction dans son appartement. Bah, ça peut arriver, on l'a souvent vu. Par ailleurs, il faut dire que ces deux objets étaient bien cachés. Bien cachés? Sous le matelas? Ça, je sais pas. Là, je crois que Werner a raison. Tout de même, je pense que Yann Kogler reste bien notre suspect numéro un. On doit te prévenir au cas où il resterait chez lui, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu as le mandat? C'est déjà fait. Bon, et l'homme du club de gymnastique, là, quel nom déjà? Rolf Sattler. Il est venu ici passer un test génétique. On en saura plus demain matin. En attendant, l'alibi de Waldorf tient bon. Le patron du Colibri l'a confirmé. Il y a du nouveau sur ce fameux homme de confiance de Waldorf, là, oui, Günther Koch? Oui, c'est lui qui est chargé du sale boulot. Et peut-être que ce pistolet et cette clé, c'est lui qui les a cachés dans l'appartement. Avez-vous regardé si la serrure de la porte avait bien été forcée? Non, on n'a pas vérifié. Ben alors, il faudra le faire. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, c'est terminé. Tout le monde se repose. Désolé. Informe-moi vite si Kogler refait surface. Bien sûr, Léo. Je ne l'aurais pas laissé filer. Ouais, mais que voulais-tu que je fasse avec ce garçon? C'est la police que ça regarde, non? Pour qu'il nous pose un tas de questions idiotes? Non, merci. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a à craindre? Crois-moi, c'est lui qu'il recherche. Sinon, pourquoi aurait-il demandé après lui aujourd'hui? Oui, Waldorf. Quelle surprise! Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intéressant. Combien? Eh bien, pourquoi tu ne me l'apporterais pas tout simplement au bureau? Je te donnerai l'argent tout de suite. C'est bon, très bien. Si tu ne peux pas, on le fait plus tard. Oui, je sais où c'est, pas de problème. Qui était-ce? C'est bien que vous soyez là. Bonsoir, Yann. Allez, entre. Je peux rester ici un moment? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la police est devant chez moi. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, voyez-vous, le concierge m'a appelé. Ils viennent de perquisitionner chez moi. Ils cherchent quoi? Je crois que c'est l'arme du crime.
Enfin, tu n'as rien à voir avec la mort de... Est-ce que c'est toi? Bien sûr que non. Et la police, elle, voit ça différemment. Ils disent que mon mobile, c'est la jalousie. C'est n'importe quoi. Tu vas rester avec moi ici. Merci. Fait durer le plaisir. Où est ce journal? C'est ce que j'avais pensé. C'est bien ce Rolf Sattler qui a mis la jeune Nicole Hauser enceinte. Alors convoque-le ici tout de suite. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il nous dira. Il en est où, ce café? Il est presque prêt. Bon, et ce Jan Kogler? Pour l'instant, introuvable. Non, enfin, c'est pas vrai. Il a sûrement eu vent du fait qu'on surveillait son appartement. C'est sûrement ça. Il faut lancer vite fait un avis de recherche. Oui, bien sûr. Riedman. C'est le côté nord. Oui, on sait où c'est. On arrive tout de suite. Un autre cadavre à Herzog Park. C'est trop. Waldorf. Bonjour, Toubib. Bonjour, Léo. Eh bien, il y a de nouveau deux balles, tirées de face. Une dans le poumon et l'autre en plein cœur. Carrément la même heure, on dirait le même crime. Comme si quelqu'un voulait faire passer une sorte de message. Même endroit, même heure, même nombre de balles. J'avoue que maintenant, j'ai deux suspects qui me viennent en tête. Disons le père et le petit ami. Exactement. Axel. Oui. Va avec l'unité d'intervention au domicile de Jürgen Hauser. Et puis tu vas l'amener au commissariat. Et ça? Ça ne m'étonnerait pas qu'il vous attende déjà. Alors attention, il est armé. D'accord. L'avis de recherche contre Jan Kogler, ça marche? Oui. Procure-toi un mandat de perquisition pour l'appartement de Hauser. Et il faut y aller le plus vite possible. Très bien. Nous allons voir Madame Waldorf. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Pourquoi faire? Ça ne sert plus à rien maintenant. Je suis vraiment désolé, Madame Waldorf. Dire que tout ça, c'était pour rien. Je ne vois pas trop ce que vous avez voulu dire. Qui peut faire ça? Pourquoi quelqu'un lui a tiré dessus? Vous n'avez aucune explication? Quand votre mari a-t-il quitté votre domicile hier soir? C'était vers 22 heures. Et est-ce qu'il vous a dit qu'il devait rencontrer? Non, il n'a rien dit. Il avait eu un appel. Quand? Environ 2h30 avant. Et vous pensez que cet appel était lié à cette histoire? Dieter a dit, on le fait plus tard. Est-ce que vous croyez que votre mari aurait été victime d'une vengeance? Je ne sais pas du tout. Bonjour. Bonjour. Léo, tu peux venir un moment? Oui. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Hyman. Sattler. Le commissaire principal, Grace. Eh bien, monsieur Sattler, vous avez vraiment fait durer le suspense. J'ai fait quoi? Asseyez-vous ici. Merci. Vous auriez dû nous dire tout de suite que Nicole Hauser attendait un enfant de vous. J'en savais rien. Nicole ne m'a rien dit de tout ça. Vous savez quoi? Je suis prêt à vous croire, en fait. On a su que vous alliez entamer avec Nicole Hauser une nouvelle existence très attrayante. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'ai une famille. Pourquoi aller faire tout ça? Je n'ai plus tellement envie de continuer à tourner en rond de cette façon. Votre petite amie a été assassinée. Mais c'est pas moi! Vous ne m'interrompez pas, maintenant.
Entre-temps, voilà que M. Waldorf se fait tuer. Le patron de Nicole Hauser, et c'est à lui qu'elle voulait soutirer de l'argent. Pourquoi? Pourquoi faire? Ça, c'est vous qui le savez. Alors? Je n'envisageais pas ça sérieusement. Cette histoire de nouvelle existence. Mais Nicole, pour elle, c'était vraiment très sérieux. Elle pensait qu'avec cet argent, elle allait m'impressionner. Elle voulait m'acheter pour que je quitte ma famille. Vous avez bien rodé tout votre discours. Mais c'est la vérité. Mais de quelle somme s'agissait-il? Ça allait chercher dans les 200 000. C'est vraiment énorme. Est-ce que Madame Hauser vous a dit comment elle comptait rembourser cette somme? C'était pas vraiment un souci. Mais pourquoi? Nicole voulait garder pour elle tout cet argent. Dans ce cas, elle voulait faire chanter ce monsieur. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais qu'avait-elle pour exercer ce chantage? Elle ne m'a jamais dit ce que c'était. Non, vous mentez. Non, vraiment. Elle ne faisait que dire que ça fonctionnerait, c'est tout. Et savoir ça vous a suffi? Oui. Ça, je vous le jure. Monsieur Sattler, vous pouvez partir. Seulement, il faut rester malgré tout à notre disposition. Mais ça veut dire quoi? Que nous aurons plein d'autres questions à vous poser. Au revoir, monsieur Sattler. Au revoir. Monsieur Kogler. Bonjour. Retirez-lui les menottes. Mais c'était quoi cette partie de cache-cache? Veuillez vous asseoir. Vous avez mauvaise conscience? Et pourquoi ce serait le cas? Eh bien, je ne sais pas, moi. Disons que l'arme du crime et la clé de l'appartement de Nicole Hauser se trouvaient quand même chez vous. Quoi? Non, ça m'étonnerait. En ce qui concerne les clés, on peut croire au hasard, on peut admettre que vous les aviez gardées. Seulement pour le pistolet, ça paraît moins évident. Oui, mais où vous l'avez trouvé? J'ai jamais eu de pistolet, vous savez. Mais comment est-il arrivé chez vous? J'ai aucune explication. Et sans compter que votre alibi concernant l'heure du crime est vraiment très léger. Ce n'est pas excellent pour vous. Je n'ai rien fait. J'ai pu être jaloux, oui, c'est exact. Mais j'aimais Nicole. J'aurais bien été incapable de lui faire du mal. Sachez que l'un n'empêche pas l'autre, c'est prouvé. Et pourquoi nous avez-vous dit hier que vous étiez malade, alors que vous alliez très bien? Monsieur Hauser m'avait permis d'aller voir dans l'ordinateur de Nicole. Que vouliez-vous aller y chercher? Je savais que Nicole écrivait un journal intime depuis très longtemps. Ah, bon? Et Monsieur Hauser et vous aviez sûrement l'intention de découvrir une piste pouvant expliquer la mort de Nicole? Oui. C'était verrouillé? Ça va de soi. Seulement j'ai trouvé le mot de passe par déduction. Dites-le nous, vous voulez bien? Bon, je trouverai, n'ayez aucune crainte, mais ça ferait gagner un peu de temps. Solitude. Mais alors, ce journal vous a-t-il fourni une explication concernant la mort de Nicole? Je pense que oui. Laquelle? Oui, Riedman. Salut, Gurt. Mot de passe, solitude. Je me mets sur l'ordinateur et je vous rappelle. Bon, encore une question. Monsieur Kogler, où est-ce que vous étiez hier soir entre 21h et 23h? J'étais chez Jürgen Hauser. Mais que faisiez-vous là-bas? Je me débattais avec l'ordinateur de Nicole. Et Monsieur Hauser, où était-il? On est restés ensemble toute la soirée. Mm-hmm. Monsieur Kogler, je dois vous dire que c'est plutôt naïf ce que vous nous jouez. Vous savez que ça nous arrive tout le temps, ce genre de plan. Deux suspects qui mutuellement se fournissent un alibi, c'est un original. Alors, où était Monsieur Hauser entre 21h et 23h? Que voulez-vous que je dise? On est restés ensemble tout le temps. Monsieur Kogler, là, vous venez de nous livrer le meilleur mobile concernant le meurtre de Waldorf. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de nous mener comme ça en bateau. Je ne dirai plus rien maintenant. Enfin, pas sans avocat. Très bien. On va faire une pause et comme ça, vous aurez tout le temps de réfléchir à ce qui vous attend. Oui, entrez. Je ne suis pas chez Hauser. Monsieur Hauser n'est pas là pour l'instant. Mon nom est Riedman, police criminelle. Qui êtes-vous, madame? Ça ne fait rien, je reviendrai. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous devez me dire qui vous êtes. Simone Waldorf. Oh, ça, c'est très intéressant. Merci, Werner. Vous avez donc lu
Le journal de votre fille. Oui. Alors, je crois savoir qu'il y a près de 5 ans, il s'est passé quelque chose. Mais en vous, qu'est-ce que ça a suscité? Je me suis senti coupable. À l'époque, je n'étais jamais là et je n'ai jamais pu savoir que ma petite fille souffrait. Et bien sûr, j'avais de la haine. Une haine incroyable et profondément ancrée envers l'homme qui a fait souffrir ma chère fille de cette façon. Est-ce que ça veut dire que votre femme n'a jamais rien dit à ce sujet alors qu'elle savait? Elle le savait, mais elle a écouté Waldorf. Elle s'est fait acheter, elle a encaissé de l'argent pour se taire. Comment savez-vous ça? Tout ça est écrit dans son journal, bien sûr. Mon Dieu, mais c'est atroce. Elle a dû vraiment se sentir très seule en face de ce monstre. Monsieur Hauser, entre-temps, nous avons découvert qu'hier soir, à 20h25, vous avez joint Waldorf sur son portable. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Je lui ai dit que je serais prêt à lui vendre le journal intime. Et il a cru que c'était vrai? Il était méfiant au départ. Ensuite, je lui ai dit qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça et que le passé était derrière. Vous avez attendu dans le parc que Waldorf vous rejoigne. Et Jan Kodler nous a déclaré que vous n'aviez pas quitté l'appartement de la soirée. Jan est un gentil garçon. Vous attendez que Waldorf apparaisse et là, vous le tuez. Oui. Vous vouliez que ça se déroule comme pour votre fille. Mais ce n'est pas Waldorf qui l'avait tué, on en est sûr. Il a un alibi incontestable. Monsieur Hauser, veuillez vous lever. Vous êtes en état d'arrestation et je vous accuse du meurtre de Dieter Waldorf hier soir dans le parc. Waldorf, on dirait que tous les chemins mènent à vous. Comment dois-je comprendre ça? Je crois que vous m'avez très bien compris. Le meurtre de votre mari est élucidé. Jürgen Hauser? Et qui a tué Nicole Hauser, selon vous? Elle n'exerçait pas des pressions sur votre mari ou sur vous aussi? Combien d'argent vous a-t-elle réclamé? 200 000 euros. Avez-vous cette somme à disposition? Non, on est dans le rouge à la banque. Mais de quoi Nicole vous a-t-elle menacé au cas où vous refuseriez? Nicole voulait porter plainte contre lui. Pourquoi voulait-elle l'attaquer? Madame Waldorf, je vais vous le dire. Nous venons de l'apprendre. Votre mari a violé la jeune Nicole Hauser alors qu'elle n'était encore âgée que de 14 ans. Elle avait envie de se venger. Elle en avait aussi après vous. Mon mari ne voulait pas lui donner d'argent. Alors c'est moi qu'elle est venue voir. J'ai très vite su qu'elle était très sérieuse. Seulement au lieu de lui donner de l'argent, vous avez choisi de la tuer. Je voulais sauver notre entreprise de la ruine. Et je voulais éviter que mon fils voie son père en train de se faire traîner dans la boue. Bon, et cette arme vient d'où? Du bras droit de mon mari. Cet homme au passé plus que douteux. Et qui ensuite a fait en sorte qu'elle soit trouvée dans l'appartement de Kogler. Madame Waldorf, veuillez vous lever. Vous êtes en état d'arrestation et vous êtes accusé du meurtre de Nicole Hauser.